Donc là, on est sur un système avec des navettes qui bougent sur un rail magnétique. Et l'immense avantage qu'on a par rapport à un système traditionnel, c'est que chaque navette est indépendante l'une de l'autre. Et donc le processus peut se faire de manière asynchrone, complètement indépendamment. Donc là, la navette, elle va aller jusqu'à la prochaine station avec une vitesse de pointe de 4 mètres secondes. Donc il y a à peine quelques millisecondes entre deux stations. Donc on peut vraiment avoir des vitesses différentes pour aller d'une station à l'autre, des accélérations qui dépendront de la charge. On peut aussi, la distance entre deux moveurs peut aussi être complètement réglable. On peut vraiment placer juste la navette par rapport à la station. On a vraiment une immense flexibilité avec ce système, quoi. L'intégralité de ce qu'on voit ici, on peut travailler en simulation, voir à l'écran ce qui se passe avant de le tester en réalité, vraiment régler tous les paramètres avant que la machine tourne, quoi.